normalement on gagne beaucoup de temps. Ça va? Je vais me demander une chose. Je vais mettre, vous voyez les grands, il y a les cônes, il y a les flots. Les flots c'est les plats, les cônes c'est les grands, un peu plus grands. Donc, les chapeaux, on suit les cônes. Les chapeaux, hein. Les plots, ils tracent le terrain. Les cônes, c'est les repères. À chaque bit, je dois être à côté d'un cône, pas d'un plot. Le plot, il trace le terrain. Terrain de 200 mètres. Vous avez 20 mètres entre les cônes. Faites très attention. Au bip, je ne dois pas être devant, je ne dois pas être derrière, je ne dois pas être en retard, je ne dois pas être en avance. À chaque bip, je dois être à côté d'un cône. Je vais mettre un ou deux par cône. On est au même rythme, on tourne au même rythme. À chaque bip, je ne dois pas me mettre avec le groupe qui est devant et je dois pas, le groupe qui est derrière ne doit pas me rattraper. On court à la même vitesse. Si à un moment donné, je ne suis plus capable de suivre le rythme, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour retenir le palier et se retirer. Quand on sort toujours vers l'intérieur, on rentre à l'intérieur, on vient ici au centre, on donne son nom à l'arbitre. Vous avez le nom, vous avez le polar, vous avez directement noté le dernier palier, vous avez terminé. Vous avez terminé, vous avez achevé. Est-ce que c'est clair? Donc dès qu'on commence le test, on ne doit plus parler, on ne doit plus rigoler, on reste concentré, surtout concentré avec le rythme, parce que je ne sais plus vous parler. J'ai les écouteurs à l'oreille pour suivre le rythme, j'ai des bips à ce moment-là. Donc si je parle à quelqu'un, à ce moment-là, il y a un bip qui est raté, à ce moment-là, ils vont croire qu'ils sont en retard, ou ils sont en avance plutôt. Est-ce que c'est clair? Je ne suis porté plus au polar. Le polar, quand vous avez fini, vous venez, vous allez vous asseoir là au centre, vous restez là, en même temps, on enregistre la récupération. Restez assis, jusqu'à ce que j'arrive et j'arrête l'enregistrement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord, parfait. Mettez-vous deux par cône. Les cônes, pas les plots. Allez, deux par cône. Allez les gars. Ouais, deux là-bas. Deux par cône. Mettez-vous. Le bleu là-bas. Il y a le jaune là-bas. On a déclenché la résistance. Bien respiré, hein. Bien respiré, hein. Ouais, je vous dis déjà, hein. On va voir. T'attends trop tard. Vamos.
Nickel. Pas trop vite. Marque-moi ça. Tu sais quoi, sinon marque-moi ça sur le papier comme on a dit. Coucou. Voilà. Tu marques les coordonnées sur les bonnes volontés qu'on a dans ces clubs. Et alors, ils sont là. À la rigueur, je le dis. Panier 3. On accélère un peu. Whitney! Palier 4. Excellent ça, allez rapide. Bien respirer, c'est important de bien respirer.
augmente un petit peu, Touré. Augmente un tout petit peu, pas plus. Et là, tu es bien parti. Augmente juste un petit peu. On va voir hein, combien il va faire. Hein. Ah, il pouvait. La volonté lui a manqué. C'est bien grand. La volonté, hein. C'est bien grand. Ceux qui ont le polar, je vais arrêter d'abord l'enregistrement et commencer par ceux qui sont arrêtés les premiers. Ceux qui ont le polar, qui sont arrêtés les premiers. Mais qui? Ce que tu vas faire, tu vas l'enlever, tu vas garder les deux ensemble. Ça va? La ceinture et la main. Ça va? Ok. Moi je dis 2-1 pour Liverpool, ils passent. J'ai parié pour eux, ils doivent passer. Ils doivent passer, c'est enfoiré, j'ai parié pour eux. Et tu sais qui va marquer pour Liverpool? Firmino et Salah. Ça l'a obligé à faire pour la Roma. Firmino et Salah. Après match retour. C'est pour ça. C'était mérité pour la Roma. C'est à la Roma. Tu dis parfait, c'est bon, j'en ai à l'aise. Donc, récupérer un ballon par 3 ou un ballon par 2. Le coach, il a de la préparation. C'est pas pour rappeler. On va faire une autre idée. Il n'y a pas de test. Hein. Simplement, après, on fait l'échauffement. Alors Touré, t'as été où mon grand? J'étais en vacances moi. Ouais. Alors tu nous es revenu? Ah ouais, je suis revenu maintenant. Bah on nous a fait mal ce week-end. J'ai entendu. On nous a battu 8-0. C'est de la honte. C'est honteux quand même. Essaye d'aller moins en vacances. Ça va grand? On a besoin de toi ici. Merci beaucoup en tout cas. Ah,
plus, tu vois, ça dépend de quel. Alors, Mathé, t'as joué encore le dimanche, non?